du tout le monde, c'est sur les sans trophées. On se retrouve aujourd'hui pour se trouver une voiture cachée qui se trouve par ici. Donc ça sera du coup la 13e voiture cachée. Donc on va mettre un itinéraire à peu près par ici. Et donc je vous conseille de vous téléporter au défi le plus proche, qui sera le défi saut numéro 39, qui se trouve juste ici. Donc déjà c'est déjà la 13e voiture cachée du coup en street race, en catégorie circuit. Donc déjà hein, c'est déjà la 13e voiture. Hein. Alors quand on en aura trouvé les 20 voitures cachées sur le coup, il y aura tout simplement un nouveau projet qui commencera sur du coup. Donc ça sera... je vous en parlerai du coup un peu plus, je vous en parlerai un jour. Mais voilà, c'est un projet en tout cas qui arrivera sur du coup. Et en vrai, il est pas mal, le projet qui est fait. C'est un peu le même principe que les voitures cachées. C'est pas vraiment le même principe parce que c'est pas vraiment trouver quelque chose de caché, mais on va dire c'est trouver des points clés. Alors je sais pas si vous voyez sur le coup, il y a plein de points clés. Bah du coup mon objectif sera de trouver des points clés. Ça sera du coup dans les prochaines vidéos qui arriveront, du coup quand on aura fait les 20 voitures cachées. Hein. Donc d'ici à peu près un mois quoi, je sais pas encore. Hein. Donc on a trouvé du coup la voiture du coup. Donc on se retrouvera dimanche pour se retrouver la voiture 14 numéro donc cachée. Donc qui sera par ici. Donc on va se téléporter au défi le plus proche. Et ça sera le défi slalom numéro 55 qui se trouve juste ici. À dimanche, c'était sur le centre-trophée.